Jean-Michel Cottier, je suis directeur des opérations de la société EPIC Maintenance. Cela fait déjà 2-3 années que nous essayons de monter un projet avec le 93e RAM. Donc le projet des skis est arrivé en début d'année, nous avons eu l'acceptation récemment. Et là, c'est le premier gros projet assez intéressant qu'on mène avec eux. Donc on est pressé de le voir en action demain. L'idée m'est venue pour accroître la capacité opérationnelle du régiment pour pouvoir appuyer au mieux toutes les troupes de mêlée. Et donc il nous fallait pouvoir accéder à toutes les zones sur lesquelles on pouvait être déployé. Le VAC, lui, il pourra rouler en permanence dans n'importe quelle météo, alors que l'hélicoptère, lui, sera contraint de voler par bonnes conditions. La difficulté a été d'imaginer les contraintes justement techniques qu'on allait avoir, puisque c'est un environnement inconnu pour nous, le fait de manipuler une remorque en montagne. Mais bon, je pense qu'on a réussi à intégrer l'ensemble des contraintes techniques. Alors le test est totalement concluant, les skis se comportent bien derrière le VAC. L'étude préalable a quand même amené un beau projet et pour l'instant on est pleinement satisfait. Le régiment est arrivé nous demandant cet outil. On a dit ça c'est quelque chose d'assez innovant. Donc on était très heureux de cette demande et on s'est investi à fond avec l'équipe du 93e RAM pour développer quelque chose de sérieux et de conséquent qui allait bien fonctionner demain.